Dossier CPI, les nouveaux colons. Enquête sur George Soros, la CPI et la galaxie des ONG. Paru initialement à Abidjan le 29 juillet 2014 dans Le Nouveau Courrier, numéro 1079. Revenons en arrière. La création de la CPI en 2002 fut le fruit de longues années d'intense lobbying de groupes d'intérêt qui se sont présentés comme le fer de lance de la mondialisation de la justice et de l'impunité. L'économie s'étant globalisée, il restait à faire de même avec le droit, et les droits humains en particulier. D'un côté, on subordonne les espaces économiques à des règles du jeu planétaire, Organisation mondiale du commerce, de l'autre, une instance judiciaire universelle, la Cour pénale internationale, CPI, qualifiée dans son statut fondateur de permanente et indépendante reliée au système des Nations Unies. Indépendante et reliée ? En réalité, la légitimité de la CPI est assurée par les États parties au statut de Rome. Dans les faits, la juridiction de la CPI n'est universelle que pour les États les plus faibles, qu'ils en soient membres ou pas. La CPI n'est compétente pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité que lorsque les États eux-mêmes sont considérés comme incapables de rendre une justice acceptable aux yeux des grandes puissances. S'ils en sont capables, comme la Libye, les États peuvent appliquer une justice des vainqueurs tout seuls et ignorer consciencieusement les violations des droits de l'homme commis par leur propre camp. Pour les autres, la CPI assure la sous-traitance avec l'aide d'ONG diverses et variées. Force est de constater que depuis sa création, l'aspect politique a été primordial, tandis que l'apport judiciaire a toujours été très faible. Des ONG aux campagnes tonitruantes et à la légitimité douteuse. Ces ONG sont intervenues massivement dans la conférence des plénipotentiaires chargée de négocier le statut de la CPI, à grand renfort de discours militants, puis ont mené des campagnes tonitruantes en vue d'amener les États à le ratifier. Les ONG se targuent de représenter la société civile, l'intérêt général mondial, les valeurs universelles de paix, d'égalité, de justice, de défense des droits de l'homme. Mais qui siège dans ce parlement de la société civile? Qui parle au nom de l'opinion publique? Qui sont les mandants, les gardiens du temple? Ce sont, faut-il le rappeler, des organisations privées, avec des objectifs définis en fonction des intérêts de ses membres. Elles se veulent à la fois thermomètre du monde et thérapie. Leur action n'est pas limitée par les contraintes propres au déroulement d'un procès pénal, ni par le respect du principe de l'égalité des armes et de l'indépendance judiciaire. En soulevant le couvercle de la marmite de la justice pénale internationale, on voit grouiller une nébuleuse d'organisations liées les unes aux autres par leur financement et leurs ressources humaines, ce qui assure une certaine cohérence. On se recycle de l'ONU vers les ONG, d'une organisation à l'autre. L'ombre de George. Ces ONG ont un point commun. Elles sont financées directement ou indirectement par George Soros, le financier milliardaire américain. Soros affirme que, je cite, « La démocratie et la société ouverte ne peuvent être imposées que de l'extérieur, parce que le principe de souveraineté fait obstacle à l'ingérence extérieure. » Certes, il est difficile de s'ingérer dans les affaires intérieures de pays souverains, mais il est important de reconnaître le problème, fin de citation. Dans ce but, Soros arrose un nombre impressionnant d'organisations dont les conseils d'administration accueillent beaucoup de monde. En 2002 déjà, Soros reconnaissait avoir déboursé plus de 2,1 milliards de dollars en 5 ans dans ses entreprises philanthropiques. Il y a tout d'abord le navire amiral, l'Open Society Foundations, avec un maillage serré de succursales en Europe, de l'Est, en Afrique et en Asie. En apportant son concours financier, elle s'ingère dans la vie politique des pays dans lesquels elle opère. Il y eut par exemple le mouvement Yen Amar au Sénégal, où fut repris le même modus operandi qu'en Serbie et Géorgie. Plus récemment, elle s'est investie dans ce que les médias occidentaux ont baptisé le printemps arabe, et en Ukraine où on retrouve sa trace dans les événements récents. Soros, avons-nous besoin de le rappeler, est une connaissance d'Alassane Ouattara. Ses relations croisées vont au-delà du simple conflit d'intérêts et justifient que l'on s'intéresse de plus près à ces institutions. En Europe, le milliardaire a fondé en 2008 l'European Council on Foreign Relations qui compte parmi ses membres fondateurs Dominique Strauss-Kahn, Alain Minc, Jean-Luc Dehaene, ancien Premier ministre belge, et Joschka Fischer, ancien ministre des Affaires étrangères allemand. Aujourd'hui, on y retrouve Bernard Kouchner, Pierre Moscovici, Christine Ockrent et Hassan Salamé, le papa de Léa, qui officiait jusqu'il y a peu sur la chaîne de télé française iTélé et désormais sur France 2. Notons que Bernard Kouchner, promoteur du droit d'ingérence humanitaire, a rédigé un rapport où il affirmait notamment que le recours au travail forcé est une coutume ancienne pour justifier le traitement infligé par le groupe Total aux ouvriers birmans. Il a aussi joué l'entremetteur entre Alpha Condé et George Soros en Guinée, pays pauvre mais ô combien riche en matières premières convoitées. Le philanthrope vertueux y est-il allé un peu fort? Après l'arrivée au pouvoir d'Alpha Condé fin 2010, le milliardaire via une autre de ses organisations, Revenue Watch Institute, a aidé à pondre un nouveau code minier, véritable nerf de la guerre vis-à-vis de toutes les autres sociétés exploitantes. La Coalition pour la Cour pénale internationale. La Coalition pour la Cour pénale internationale, CCPI, a été créée par Richard Dicker de Human Rights Watch, HRW, organisation financée par Soros.
Elle est présidée au niveau mondial par William Pache du World Federalist Movement, organisation qui milite pour un gouvernement mondial. Elle est aussi financée par Soros. Cette coalition se targue de rassembler 2500 organisations de la société civile dans 150 pays. La version française comprend notamment la FIDH, Amnesty International, Médecins Sans Frontières, Médecins du Monde, Action contre la faim et Survie. Mais comme l'argent est le nerf de la guerre, la coalition apprécie particulièrement le soutien généreux de tous ses partenaires et donateurs du monde entier. Elle bénéficie d'un important financement de l'Union Européenne, des gouvernements autrichiens, belges, danois, finlandais, irlandais, liechtensteinois, néerlandais, norvégiens, suédois et suisses. Et d'organisations privées telles que la Fondation Ford, de la Fondation John D. et Catherine T. MacArthur, de l'Open Society Institute, du Sigrid Rausing Trust et de Humanity United. Un certain Ali Ouattara, ancien président d'Amnesty International Côte d'Ivoire, est le président de Côte d'Ivoire Coalition pour la Cour pénale internationale et s'est réjoui de la ratification du traité de Rome par la Côte d'Ivoire. Selon lui, je cite, c'est le signe que la Côte d'Ivoire est entrée dans le concert des nations. Fin de citation. On ne sait pas de qui il tient son mandat, mais on sait qui paie les ONG qui sont affiliées. Les mêmes, l'Union Européenne et les ONG de la galaxie Soros. Le but de la coalition? Garantir l'efficacité, l'indépendance et l'accessibilité de la Cour. De quelle indépendance s'agit-il? Tous, procureurs, juges et le greffier, sont élus par l'Assemblée des États partis, alors bonjour les marchandages. La coalition entend y mettre son grain de sel en auditionnant les candidats. Elle encourage les États à présenter les candidats en tenant compte des opinions de la société civile, entre autres. Malgré cet apport, on ne peut plus précieux, on peut émettre des doutes sur la compétence du procureur et des juges en fonction. Le premier procureur de la CPI, Luis Moreno Ocampo, avait lui-même longtemps occupé un poste dans la version sud-américaine de Transparency International, une ONG financée par George Soros. Il avait délaissé la salle d'audience lors de l'ouverture du premier procès de la CPI pour aller parader au Forum économique mondial de Davos. Il avait laissé Fatou Bensouda, son adjointe depuis 2004, dans la panade. Le procès fut ajourné sine die car le témoin brandi par l'accusation reconnut à l'audience avoir menti. Fatou Bensouda, qui lui a succédé, fut élue après avoir été désignée candidate unique au poste. Curieux parcours que celui de Bensouda. Elle est titulaire d'une maîtrise en droit maritime international et en droit de la mer. Elle fut ministre de la Justice et conseillère juridique principale auprès de Yahya Jammeh, dictateur élu de la Gambie, et directrice d'une banque commerciale. Ce n'est qu'en 2000 qu'elle rejoint le tribunal pénal international pour le Rwanda et y occupe divers postes. Le New York Times nous informe qu'elle n'est pas très douée en plaidoirie, mais qu'elle est plutôt appréciée pour sa personnalité affable et ses compétences organisationnelles. Les juges, eux, sont choisis par les représentants des États partis dans un vivier d'ex-politiciens, ex-diplomates, ex-universitaires et professionnels des droits de l'homme. Ils sont en principe sélectionnés à partir de deux listes. La première exige d'avoir une compétence reconnue dans les domaines du droit pénal et de la procédure pénale, ainsi que l'expérience nécessaire du procès pénal, que ce soit en qualité de juge, de procureur ou d'avocat, ou en toute autre qualité similaire. Pour la deuxième, il faut avoir une compétence reconnue dans des domaines pertinents du droit international, tels que le droit international humanitaire et les droits de l'homme, ainsi qu'une grande expérience dans une profession juridique qui présente un intérêt pour le travail judiciaire de la Cour. Il faut qu'il y ait au moins 9 juges élus sur la liste A, ceux qui ont une compétence reconnue en justice pénale, et 5 de la liste B, ceux qui ne connaissent pas grand-chose à la justice pénale mais à qui on offre la possibilité de se déguiser en juge. La juge Silvia Alejandra Fernandez de Gourmandi, qui préside la chambre préliminaire 1 dans le cadre de l'affaire Le Procureur contre Laurent Gbagbo, est une diplomate de carrière. Elle a été élue juge à la CPI en 2009. Nul doute de la brillance de son parcours professionnel au sein de l'administration argentine. Mais ce n'est pas une praticienne du droit. Pourtant, la juge de Gourmandi triche un peu. Elle s'est inscrite sur la liste A. Un des autres juges dans l'affaire Gbagbo, le juge Hans-Peter Kaul, récemment décédé, avait été fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères allemand avant de devenir juge. En 2001, ce même Kaul, alors qu'il était encore fonctionnaire, avait cité un chiffre de 20% du budget de la Cour devant être assumé par l'Allemagne et s'attendait donc à recevoir 20% environ des postes administratifs de la Cour. Une version révisée de novembre 2003 des chiffres donne un pourcentage plus modeste de 11%, tout en soulignant le but des Allemands de voir des citoyens allemands composer une portion équivalente du personnel de la Cour. Ceci montre bien le parrainage idéologique de la Cour. Human Rights Watch. Human Rights Watch se proclame sur son site l'une des principales organisations indépendantes au monde consacrées à la défense et la protection des droits de l'homme. Elle fut créée en 1978 sous le nom d'Helsinki Watch, avec pour mission de dénoncer les violations des droits de l'homme dans le bloc soviétique, d'où une très grande proximité idéologique avec le gouvernement des États-Unis. Kenneth Ross, directeur exécutif de HRW, a déclaré que « la justice est une fin en soi » et que « l'inculpation des criminels de guerre a permis de faire avancer des processus de paix en marginalisant les acteurs nuisibles ».
Passons sur l'inanité d'une telle affirmation, rappelons simplement que M. Roth est un ancien procureur général des États-Unis scotché au versant accusatoire de la justice pénale. George Soros a donné 100 millions de dollars à Human Rights Watch depuis 10 ans pour s'en attacher des services. En effet, HRW bénéficie d'une aura favorable dans les médias. C'est une organisation sérieuse dont les rapports sont des valeurs sûres. En réalité, elle est protégée de tout réel examen critique et ses rapports s'avèrent en général invérifiables. Dans la décision relative à la demande de délivrance d'un mandat d'arrêt à l'encontre de Laurent Gbagbo déposée par le procureur en 2011, la CPI faisait déjà une place de choix au rapport d'HRW, en alternance avec ceux d'Amnesty International. Mais que valent ces argumentaires de seconde main et autres rapports ? Le 3 juin 2013, les juges de la CPI n'avaient pas osé confirmer les charges pesant sur Laurent Gbagbo, estimant insuffisante la valeur probante de ses pièces à conviction. Heureusement, ils se sont repris depuis. Apparemment, à la CPI, une bonne justice n'est pas le fruit d'un labeur acharné, mais elle navigue entre désinvolture et improvisation. Il fallait absolument que Fatou Bensouda passe au rattrapage alors que sa copie avait été à peine amendée. La Côte d'Ivoire a constitué une obsession pour Human Rights Watch. 8 communiqués entre décembre 2010 et mars 2011, accusant Laurent Gbagbo de crimes de guerre et de violation des droits de l'homme. Un seul dans la période enjoignant Ouattara en avril 2011 de contrôler ses troupes. Mais cette campagne était essentielle pour créer l'assise pour l'étape suivante du processus de diabolisation et de légitimation de l'usage de la force. La plupart des médias, BBC, Reuters, AFP, ont fait largement écho aux communiqués d'Human Rights Watch, les reprenant tels quels. Le directeur du lobbying de Human Rights Watch à Washington, Tom Malinowski, s'est fendu d'un article au sujet de l'intervention de l'OTAN en Libye, intitulé « Pourquoi ne donne-t-on pas crédit à Obama d'avoir arrêté une telle atrocité ?» et de poursuivre que l'OTAN a été plus efficace qu'en Bosnie, et de célébrer l'intervention de l'OTAN en Libye comme, je cite, « la réponse militaire multinationale la plus rapide à une crise des droits humains dans l'histoire récente, pour laquelle nous devrions être reconnaissants ». Depuis 2012, il a rejoint sa famille. Il est sous-secrétaire d'État à la démocratie, aux droits humains et au travail sous John Kerry. Autre curiosité, Miguel Diaz, ancien analyste de la Central Intelligence Agency, CIA, pendant longtemps au comité consultatif de Human Rights Watch Amérique, puis retourné au département d'État en tant que interlocuteur entre la communauté des services de renseignement et les experts non gouvernementaux. Et n'oublions pas de citer Javier Solana, membre du conseil d'administration, ancien secrétaire général de l'OTAN, qui a cautionné l'usage des bombes à fragmentation contre la Serbie en 1999 et le bombardement de civils qui ont conduit Human Rights Watch à conclure que l'OTAN avait commis des violations du droit humanitaire international. Entre marchands de moralité et missionnaires de l'Empire, Human Rights Watch se targue aujourd'hui d'être une force journalistique. En 2012, l'organisation s'est vue attribuer un Peabody Award. Dixit Carol Bogert, directrice générale adjointe, c'est aussi une réflexion sur combien le business des médias a changé. Human Rights Watch joue maintenant dans le marché global de l'information. Fin de citation. Les récits d'attaques meurtrières contre des populations civiles, menées par des dictateurs et des mercenaires, sont écrits pour scandaliser l'opinion publique internationale et vendre les souffrances des victimes à travers les médias. La guerre médiatique vise à soumettre l'audience à sa propre dialectique, en lui imposant son vocabulaire et au-delà, sa propre conception du monde. Les États-Unis ne se cachent d'ailleurs pas de cette instrumentalisation. Nous avons les meilleures relations avec les ONG qui sont un tel multiplicateur de force pour nous, une part si importante de notre équipe de combat, car nous sommes tous engagés vers le même but singulier, aider l'humanité, aider chaque homme et chaque femme dans le monde qui est dans le besoin, qui a faim. Déclarait ainsi l'ancien secrétaire d'État Colin Powell dans un discours adressé aux ONG au début de l'opération Enduring Freedom, l'invasion de l'Afghanistan en octobre 2001. À suivre.